Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 14 janvier. Là il est 10h, nous commençons le vlog avec un retour de course puisque je viens de rentrer de Leclerc. J'ai fait quelques courses parce qu'il me manquait quelques trucs. Donc pour commencer il me fallait du pain de mie et moi j'aime bien quand il y en a, parce que sinon quand je fais les courses à Lidl, il n'y est pas celui-là, donc je prends le complet. Mais j'adore le set céréales, il est très très bon et il est très bon en fait. Donc quand je le trouve, je le prends et c'est mon préféré pour le matin, pour faire des croque-monsieur. Enfin franchement, il est bien pour tout quoi, même voilà, sucré ou salé, il est très bien. Ensuite j'ai pris du 4 épices, ça j'en voulais depuis un moment. Donc en fait à l'intérieur il y a du piment doux, du cumin, du gingembre, sel, poivre noir. Voilà, comme ça au moins j'ai tout réuni, je suis contente. Ensuite j'ai pris de la levure diététique, j'en avais plus. Voilà, c'est pour dans les salades, vous pouvez même le mettre dans les pâtes, enfin vous pouvez en mettre un petit peu partout. Et c'est très très bon pour la santé, puisque regardez tout ce qu'il y a. Donc il y a de la vitamine B, B1, B5, B6, B9, PP, magnésium, zinc, phosphore, protéines de fibres, source de fer et de vitamine B12. Voilà, c'est très très bon, donc c'est très conseillé. Voilà, au moins une cuillère à soupe par jour. Voilà, c'est un minimum. Moi, en général, c'est ce que je fais. Hein, j'en mets un peu partout. Donc, c'est vrai que je vous en ai jamais parlé de ça, en fait. Mais je connais ça depuis que je suis gamine. Ma mère, elle nous en achetait déjà. On adorait. Enfin, bref. J'ai repris du pot-au-feu. Vous savez, des barquettes de pot-au-feu toutes faites, là. Pour mon pot-au-feu du pauvre ou mon pot-au-feu de la classe moyenne. Et c'est pas discriminatoire hein, quand je dis ça. Hein, c'est une plaisanterie, en fait. Quand je dis le pot-au-feu du pauvre ou de la classe moyenne, c'est simplement parce que moi en fait je fais un pot-au-feu mais sans viande de bœuf. Je fais un pot-au-feu et à la place de la viande de bœuf, je remplace par des lardons. Je vous en avais déjà fait la recette sur un vlog, sur plusieurs vlogs même, parce que je le fais très souvent. On adore ça à la maison, c'est très bon, c'est très économique, c'est très vite fait, enfin voilà, on se régale. Ensuite... Alors hier, Nono était au bout de sa vie parce que son ampoule dans sa chambre était claquée. Mais genre, il était au bout de sa vie, genre, il était au bord de larmes, quoi. Parce qu'en fait, il n'arrivait pas à allumer, enfin, il n'y avait plus de lumière dans sa chambre et ça lui plaisait pas. Et genre, c'était parce qu'il était en crise cardiaque, quoi. Donc, je lui en ai racheté une. En plus, c'est des trucs à baïonnette, donc j'avais pas ça sous le coude. Donc voilà, il sera content ce soir, il pourra allumer sa lumière dans la chambre. Ensuite, des citrons. J'ai pris des yaourts, enfin des brassés à la vanille. Ça, j'en prends quand je mange mes muesli. En fait, je mets un yaourt à la vanille dans un bol, mes muesli et mes petites noix et tout. C'est très très bon, j'adore, avec des bananes écrasées. Ensuite, il me fallait du thon, donc j'ai pris des miettes de thon à la tomate et des miettes de thon au tournesol. Alors, enfin, l'huile de tournesol, quoi. J'ai pris des haricots rouges. Il me fallait absolument du Eden Shoulders pour anti-démangeaison. Quand le temps est très sec. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai tout le temps des pellicules sèches et ça me démange. Le cuir chevelu, c'est une horreur. Donc vu que je fais que de me gratter, bah forcément les pellicules, bah il y en a partout, donc c'est un désastre. Donc j'en ai repris, celui-là il est très bien. Par contre c'est pas donné, mais franchement le Eden Shoulders, je trouve que ça coûte de plus en plus cher. Je crois que c'est dans les 4 euros celui-ci, enfin bon, c'est vraiment pas donné. Mais il est très efficace. Ensuite j'étais au rayon anti-gaspillage. J'ai trouvé ce yaourt là, donc à la place de 1,68 il était 1,17. C'est du Alpro à la vanille, donc il est bon. Il était bon jusqu'à hier, le 13, on est le 14, ouais. Il était bon jusqu'à hier, mais bon, le yaourt ça se conserve près de, il me semble, 5 semaines après la date. Enfin, moi je les mange largement une ou deux semaines après, hein, ça me dérange pas du tout. Et je n'ai jamais eu de soucis de digestion ou quoi que ce soit avec des yaourts passés de date. Hein. Franchement, moi ça me dérange pas du tout. Ensuite, j'en prends rarement, très très rarement, puisque c'est quand même pas donné. Mais j'ai voulu vous savez, les caramels macchiato glacés. J'aime trop, c'est très très bon, ça rafraîchit et tout. Ensuite, j'ai pris une botte. Oula. J'ai pris une botte de persil plat que je vais tout de suite laver et que je vais mettre au frais. Une laitue. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceux-là, je ne les connais pas, les penne regatté au blé complet de la marque Turini.
Ou alors ils ont changé le packaging peut-être, en fait. Parce que j'en avais déjà acheté de la marque Turini, qui sont très très bonnes d'ailleurs. Mais ouais, je crois qu'ils ont changé peut-être le packaging plutôt. Voilà. Ensuite, je voulais du tofu fumé. Ça, c'est pareil, j'en achète très peu puisque c'est quand même pas donné. C'est presque 3,50€, il me semble. Voilà, c'est pas donné, franchement. T'as l'impression que le tofu, en fait, c'est plus cher que la viande. Mais je pense que, en fait, c'est presque ça, quoi. Mais il est très bon. Le tofu fumé, c'est très très bon. Je préfère que le tofu nature, j'aime pas du tout. De la pulpe de tomate en dé, j'en achète toujours, vous le savez. De la boisson au riz, calcium. Très très bonne celle-là. Même les garçons, ils en mangent de ça. Donc, enfin, ils en boivent de ça. Ensuite, encore des pâtes semi-complètes. Celle-là, c'est la marque Bio Village. Très très bonne aussi. Il me fallait des oignons, donc j'en ai repris. Des champignons de Paris, parce que je veux faire une sauce aux champignons et à la crème. Encore des pâtes de blé complet, des torsettes, celles-là sont très bonnes aussi. Et là, il y avait une offre. Alors normalement, j'utilise de la... Comment ? J'étais en train de regarder le bazar qu'elle me faisait, la nana. Ouais, tu fais quoi en fait là ? Tu fais des bêtises ? Des bêtises ? Non, j'utilise du vinaigre blanc, mais franchement là, en ce moment, il y a certaines marques de calcaire que j'arrive pas à faire partir dans ma salle de bain. Et le seul produit qui marche extrêmement bien, bah c'est ça, l'anticale. Donc il y avait une offre, c'était 4,50€ les deux bidons, donc ça vaut le coup. Et là c'est senteur fraîche, jamais testé, j'ai toujours testé la basique, quoi, la bleue, là, normale. Donc voilà, j'ai pris deux fraîches. Et voilà pour mes courses, là je vais tout ranger. Et je voulais aussi vous montrer, enfin non, je vais pas pouvoir vous montrer, c'est sûr même, mais Nana... Elle a une prémolaire qui est poussée, la nana, et c'est pour ça qu'elle avait mal toute la nuit. Tu montres tes dents, nana? Oui. Tu montres tes dents, nana? Fais voir. Ouvre la bouche, fais comme ça. Tu montres? Tu montres? Et non. Et je l'ai remarqué quand j'étais aux courses. En fait, elle levait la tête vers le ciel, vers le plafond, et elle avait la bouche ouverte. Et en fait, je l'ai remarqué là. Je voulais prendre une photo, mais j'avais pas mon appareil photo. Donc, la pauvrette, c'est pour ça qu'elle pleurait. En fait, elle a pleuré dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a pleuré, je vous mens pas, une heure sans s'arrêter. Et c'était pas possible, on n'arrivait pas à la calmer. C'était une horreur pour elle. Elle avait super mal, ça se voyait. Elle arrête pas de se frotter les gencives avec ses doigts et tout. Enfin, la pauvre, quoi. Et en fait, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il y a une prémolaire qui a poussé, quoi. La pauvre, elle a dû avoir trop mal. Enfin bref. Oui. Oh oui, mon petit Aubé. Oh oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La coquin. Coquin. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. T'aimerais venir. Allez, viens. 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 Allez, viens. T'es encore trop petit, hein. T'arrives pas. Il est tellement minuscule, t'arrives même pas à monter sur mes genoux. Oui, attends. J'arrive, nana. Bon là du coup comme je vous ai dit je suis en train de couper mon persil pour pouvoir le conserver plus facilement et que ce soit plus facile pour moi quand je m'en sers. Donc ce que je fais c'est que voilà je coupe tout au maximum. Comme ça après j'ai plus qu'à le laver. Et quand je m'en sers j'ai plus qu'à mettre sur l'aliment et... Et voilà, et c'est plus facile pour moi, et puis j'arrive mieux à m'en sortir en fait comme ça. Voilà. Et donc là je fais pareil, mais avec la salade. La salade, je le fais avec les mains. Bon là il est 11h40, du coup je vais commencer, enfin je vais pas commencer à préparer de suite mais j'ai déjà commencé à couper des petits dés de carottes pour faire mon riz à la carotte que je fais très souvent. Je pense que si vous suivez régulièrement mes vlogs c'est sûr que vous l'avez déjà vu. Donc tout simplement je fais revenir des carottes, des petits dés de carottes avec 3 gousses d'ail. J'en mets quand même la dose parce que moi j'aime bien quand c'est aillé.
Je fais revenir ça dans l'huile d'olive. Ensuite, je vais rajouter du riz. Donc, je vais faire revenir pour que c'est un petit peu translucide, vous savez. Et après, je vais rajouter un bouillon de volaille et je vais laisser cuire comme ça dans l'eau pour que ça absorbe et tout. Je vais faire ça donc à midi. Et à côté, je vais faire des poissons. Puisque vous savez que enfin, chez nous, quand on est une famille de 5 personnes, eh ben, forcément, quand il reste un poisson dans des paquets ou quoi, ou caisses, souvent ben, on les oublie et on les fait plus du coup. Parce que ben, un poisson, ça sert à rien quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire celui-là vu qu'il m'en reste qu'un. Et je vais faire également celui-là vu qu'il m'en reste aussi qu'un. Donc voilà. Je vais faire ces deux poissons avec le riz et avec une petite salade à côté. Et voilà, je pense que ce sera tout. De toute façon là, il est ouais, presque 45, je vais chercher Nono. Et ensuite, ben, je vais m'attaquer à la cuisine. Si vous voulez savoir, Nono, ouais, il écoute toujours sa boîte à histoire. Hein. On l'avait acheté cet été, au mois de juin, il me semble. Et par moment, ben, il aime bien encore... L'écouter, donc on me pose souvent la question si vraiment il aime bien, si ça vaut le coup l'acheter, machin, tout ça. Franchement, ouais, ça vaut le coup de l'acheter, la boîte à histoire, c'est vraiment... Hein, t'aimes bien, Nono? Il l'écoute même le soir avant de s'endormir. Il aime bien, donc... Ouais, il aime bien, et on peut télécharger certaines histoires, certaines sont payantes, certaines sont gratuites. Bon, vous allez me dire, les gratuites sont un petit peu plus rares, mais non, mais sinon... Voilà, ça lui plaît, et puis je peux choisir les personnages qu'il veut, l'instrument qu'il veut, le lieu, etc. Donc c'est vachement ludique. Et là, il est avec Obé. Et voilà, donc le riz, il est prêt, le poisson également. Donc moi et Nana, on s'est partagé le poisson... Le poisson et les gars ils se sont partagés le poisson pané. Alors le riz c'est compliqué pour elle d'en manger, elle le mange toute seule hein, mais elle en met partout donc je préfère lui donner. Et mon assiette avec la salade verte et j'ai rajouté encore du persil. Puisque tant que j'ai du persil j'ai pas envie de le gâcher donc j'en mets un petit peu partout en fait quand j'en ai. Pour être sûr de qu'il soit pas fadasse au bout de quelques jours. Donc voilà j'en mets partout, les gars aussi sont en train de manger. C'est bon les gars? Ouais. C'est bon? Oui. Mmh. Bon appétit. Bon appétit. Et c'est qui vient de recevoir son presse-agrumes électrique? C'est Bibi. C'est Bibi. Je l'ai commandé hier sur Amazon, je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, ça là il est 1h. Ouais, ça, ah ouais, ça c'est allé super vite là. Mais bon, après, j'ai Amazon Prime, donc forcément. Et en fait, je l'ai simplement commandé parce que j'en ai marre de presser les agrumes manuellement. Franchement, étant petite, j'avais cassé mon poignet, celui-ci, le droit. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure de faire des choses comme ça répétitives, par exemple, pour presser les agrumes, j'ai extrêmement mal au poignet. Et je pense qu'il ne faudrait pas que je force dessus comme je le fais là. Donc pour ma santé, pour mon bien-être et pour mon plaisir, j'ai commandé ce presse-agrumes électrique. Je ne l'ai pas payé cher, il était à 15€ à la place du 19€, voilà, Moulinex. Il était super bien noté, ultra compact, machin. Donc je suis contente, j'ai trop hâte de l'ouvrir et d'essayer cet après-midi un bon jus d'orange. Bon, du coup, les enfants sont à l'école, Aria est à la sieste. On va enfin pouvoir procéder au test du presse-agrumes électrique. Donc, pour cela, je vais faire un citron, une orange. Voilà, pour maintenant, ça suffit, parce que normalement, je bois pas de jus d'orange après le repas. Je bois uniquement le matin. Mais bon, pour le test, on va essayer. Donc, on va commencer donc, par l'orange. Bon, déjà, c'est pas bruyant, je trouve. Je trouve que franchement, pour un truc électrique, c'est pas bruyant et ça va dans les deux sens. Donc, comme vous l'avez vu, ça va dans un sens et dans un autre. Oui, ben voilà, nickel. Franchement, je suis
contente, trop contente. Au moins, j'ai pu me casser le poignet. Top. Alors, il a une contenance de 50 centilitres, donc on peut voilà, faire 50 centilitres avec. Donc, je trouve ça assez raisonnable. Donc, écoutez, nickel. Donc, du coup, là, il est 17h. Je viens de chercher Nounou à l'école. Papa, il vient tout juste de rentrer maintenant. Il avait du retard parce qu'il doit... Il doit poster des annuaires. Ça n'a pas été bon. Voilà. Des annuaires. Non, mais je savais même pas que ça existait encore, qu'on en distribuait encore de ça. Les annuaires, c'est vrai. Hein. Très, très bon. Parce qu'à un moment donné, ils avaient dit qu'ils allaient les arrêter, les annuaires, justement, parce que, c'est, parce que forcément. Moi, c'est plus les gros annuaires comme ça. Ils étaient. C'est, ouais. Ils ont aussi de taille. Bon, tu vas me dire, pour les personnes âgées, c'est toujours bien. Hein. Ah, bah, même pour nous. Hein. Bah, non, pour nous, non. Non, nous, on s'en fout, on regarde sur le net. Mais je veux dire, pour les personnes âgées qui n'ont pas accès et tout. Je me souviens que moi au boulot, il y avait un mec qui était venu et il nous a demandé un annuaire parce que justement le pauvre, ben, il n'avait pas d'internet ni rien. Ah. Mmh. Et au boulot, et on n'avait même pas d'annuaire. Le Minitel. Ouais, non mais. Le pauvre, donc ouais. Oui, donc du coup, ouais, moi je me suis fait mon goûter. J'ai fait donc, le yaourt de ce matin, vous savez, le yaourt périmé là, depuis hier. Tu sais, j'ai acheté, je suis allée à Leclerc ce matin et je suis allée dans les dates courtes. Ouais. Et je croyais qu'on était le 13, donc j'ai pris le yaourt, c'était bon jusqu'au 13 le yaourt. On est le 14, ouais. On est le 14. Mais bon, moi après ça me dérange pas, tu vois. Mais ouais. Bon, ils auraient pu me le brader plus, vu qu'il ouais. Était périmé, en ouais. Fait. Et non, ils sont pas... Bah j'ai pas fait gaffe, je croyais qu'on était le 13, donc moi j'ai rien dit, tu vois. Enfin bon, moi ça me dérange pas, de toute façon, on peut les manger bien 2 ou 3 semaines, je crois, après la date. Donc j'ai fait donc le yaourt avec du muesli, de la banane, de la cannelle et des noix de pécan, noix de cajou, etc. Voilà. Et le bol, si vous voulez savoir, ça fait un moment que je les ai ceux-là. C'est des bols en véritable noix de coco. C'est de la noix de coco. Bah de toute façon vous le voyez, hein. C'est pas du tout stable, c'est bancal, mais c'est normal parce que c'est artisanal. J'avais acheté ça sur Amazon cet été, il me semble. Et il y avait les cuillères aussi avec. Mais franchement, ils sont trop beaux, je trouve, ces bols. Ils sont vraiment, vraiment trop beaux, regardez. On voit tout et tous les rainures et tout du bois. Enfin, trop, trop beau. Alors par contre, ça, c'est des bols que je mettrai pas au micro-ondes parce que forcément, bah, c'est du bois véritable, donc j'ai pas envie de l'abîmer, etc. Ni je laisserai pas du liquide, par exemple, à l'intérieur trop longtemps, etc. ou quoi. Donc c'est vraiment, voilà, des trucs sucrés, enfin, des trucs secs ou alors même, voilà, du muesli. Ce soir, du coup, on va faire simple parce que je suis pas trop motivée pour faire à manger. Donc, j'ai coupé en 4 tous les champignons que je vous ai montrés ce matin au retour de course. Un oignon en petit dé, 3 gousses d'ail. Je fais revenir donc dans de l'huile d'olive. Je vais rajouter du sel, mon persil que j'ai nettoyé ce matin. Je vais en mettre quand même la dose pour que ça fasse un petit peu un effet de champignon persillé, vous savez.
Et ensuite, je vais rajouter de la crème fraîche et ça va être ma petite sauce en fait aux champignons. Et à côté, je vais faire des penne au blé complet. Voilà, ce sera ça pour ce soir. Et voilà, on est servi. Tu vois, je me suis dit, je parle doucement, faire style, je parle pas à la caméra, mais elle a quand même calé, hein. La Nini, elle le sait, hein. Mais bon, elle est trop occupée à manger, donc elle en a plein le nez. Et Nana, c'est quoi là dans ton nez en fait? Mademoiselle qui a fait ses premiers pas. Mais en plus, bah, elle a dit c'est ça. Ouais. Donc voilà, j'ai rajouté du parmesan dessus parce que j'adore, je préfère ça que le gruyère, même si le gruyère c'est ma vie aussi. Avec de la sauce aux champignons. Sauce aux champignons. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mis donc de la crème fraîche, mais également du fond de veau, parce que le fond de veau, j'en mets presque partout. Quand je mets de la crème fraîche, c'est excellent. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Trop bon. Grand-mère. Bah toi, les pâtes nature avec du gruyère, oui. Et toi? Moi, super, super bon. Super, super bon. Tu devrais participer à Top Chef. Oh. Non, je suis pas assez forte. Ça va te recommencer, ceci dit. Ouais, je sais. Et Nana, t'en penses quoi, toi? Elle a l'air de kiffer, elle. C'est bon, maman? C'est bon? Oui. Si elle mange, ça veut dire oui. Allez, bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Et le meilleur moment de la journée est arrivé! Il peut pas être plus proche de ma tête encore, lui. Obé! Là il est 9h10, oui 9h10, ça fait un petit moment que je suis au dodo, encore une fois j'ai oublié mon appareil photo, donc du coup j'ai demandé à David de me le chercher quand il monte, enfin de me le ramener quand il monte, donc du coup il me l'a ramené. Et ça y est, comme vous l'avez vu en vidéo, Aria a fait ses premiers pas. Alors ça faisait quelques jours qu'elle faisait un petit peu, voilà, juste un ou deux pas. Ça faisait quelques jours en fait qu'on l'entraînait, qu'on l'incitait à marcher. Et là vraiment, enfin, on voyait qu'elle a fait plusieurs pas, quoi. Donc on est trop content. On est trop content. Par contre, ouais, c'est pas encore la course. Hein. Pour l'instant, elle préfère être assise. Elle voit que c'est plus facile d'être assise forcément. Donc du coup, bah, elle cherche pas midi à 14h, elle se met assise, elle fonce comme ça. Mais voilà, quand elle aura vraiment pris le pli de marcher, je pense que elle va se régaler à marcher et nous on va se régaler à lui courir après. Donc voilà, on est très très fiers du coup. Voilà, elle a mis du temps, hein, mais bon, c'est comme ça, chaque enfant a son rythme. Hein. De toute façon, Aria, vous savez, elle fait plein de trucs à côté. Hein. Elle mange toute seule. Avec la fourchette, elle mange des repas comme nous, elle dit beaucoup de mots, enfin je veux dire, à côté, elle fait beaucoup de trucs que peut-être un enfant qui marche ne fait pas. Donc, ouais, non, ça ça m'a jamais vraiment inquiété qu'elle marche pas encore. Et qu'est-ce que tu fais? Donc bah voilà, autrement rien de spécial, les penne aux champignons étaient excellents, vraiment très bons. Et voilà, j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.